Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour le 18e épisode de mon let's play sur GTA V. Pourquoi je suis sur ce menu? Tout simplement parce que j'ai voulu enregistrer la partie et ça m'a lancé un petit appel de Michael. Donc on va recharger cette partie très rapidement, comme ça on va recevoir, on va récupérer cet appel et puis vous allez pouvoir l'entendre. Donc dans les derniers épisodes, on avait été faire le repérage du Meriwether. On avait conduit une grue, etc. Plein de trucs comme ça. Vous pouvez retrouver tous les épisodes dans la playlist sur la chaîne, etc. Vous avez juste à cliquer sur ma chaîne et puis descendre un petit peu. Normalement, c'est la première playlist. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes depuis le premier d'ailleurs. Et normalement, cette mission va devoir bientôt se lancer. Comme ça, vous allez pouvoir voir cet appel de Michael. Donc, je suis toujours dans la même session. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu répondre à... J'ai pu répondre à vos commentaires, mais j'ai pas pu y réagir en vidéo. Donc voilà, c'est bientôt lancé, c'est tout. Qu'on perde pas trop de temps sur la vidéo, parce que ça fait déjà 1 minute qu'on tourne. Enfin, 1 minute pour moi. Donc. Si ça dure trop longtemps, de toute façon, vous ferez une ellipse. Alors. Voilà, donc c'est reparti. Normalement, il devrait plus tarder à appeler. Voilà. Ah, Trevor, hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS, really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with, Franklin. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Alors, avant de pouvoir participer à ce braquage, Michael devait faire un tour à l'école de pilotage. Sauf que j'avais déjà fait les leçons de conduite de pilotage. Donc je sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on va refaire une mission ou deux, comme ça ce sera fait. Mais normalement, on devrait avoir une assez bonne note en pilotage, donc ça devrait pas être le problème. On va voir ça tout de suite. Alors, il est où? Il est où, Michael? Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il est tout seul chez lui, là. J'avais jamais remarqué ces portraits. Ces tableaux, là, au-dessus du lit. Juste un. J'avais jamais remarqué. Bon. Alors. Tracy, baby, you called? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Ok. Bon, ça a aucune importance sur l'histoire. C'est pas sa voiture, celle-là. Mais je crois qu'il s'est fait piquer sa voiture dans tous les cas. Donc, pas mal. On va pas la piquer, c'est pas très important. On va aller rapidement. Aucune mission de. Pour Franklin. Non, il me semble pas. Hein. Faut vraiment faire ça. Vraiment faire ce braquage. Donc on va très rapidement y aller, faire à la limite une leçon, quelque chose comme ça, et puis ça sera fait. Attends, tu te calmes. Pilotage, vous voyez, j'ai quasiment toutes les barres remplies. Donc qu'est-ce qui se passait? Mike, je sais que piloter n'est pas ton fort, mais tu peux tu en auras besoin. Sauf que c'est déjà fait, mais ce qu'on va faire, c'est que j'avais aussi reçu des appels. Donc, elle l'a appelé. Mais il y aurait autre chose. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'il y avait un autre appel? Une autre personne qui les avait appelés? Non. Non. Il faut vraiment qu'on aille là-haut, en fait. On a rien d'important. Vraiment qu'on aille là-haut faire une leçon, un truc comme ça.
À la limite, si on a toutes nos barres de pilote, ça serait encore mieux. Qu'est-ce qu'il fait le bus? Qu'est-ce qu'il fait? Ça m'énerve les gens qui savent pas conduire, les PNJ là. Allez, parce que la dernière fois on avait eu pas mal de problèmes durant les deux épisodes, on était rentré. Enfin, surtout le premier épisode. Épisode 16, on était rentré dans pas mal de voitures avec Trevor. Et ça m'a vraiment énervé en fin d'épisode. Donc c'est pas très grave, c'est parti. Il y a un deuxième inconnu détraqué qui est apparu, j'ai vu ça. Bon. Du coup, le coup des voitures, ça va pas être fait tout de suite, comme la voiture de Michael, on l'a pas sur nous. Donc là, entre l'épisode 18 et 19, je devrais faire une pause où je vais filmer le mystère sous les ovnis. J'espère que ça va bien se passer, normalement il devrait durer 10 minutes, un quart d'heure. Un peu plus si on a vraiment des choses à dire, mais en principe, comme c'est les ovnis, et que c'est vraiment la grosse partie du mystère, on devrait avoir pas mal de choses à vous communiquer sur ce mystère. Et j'espère qu'il y aura du succès, évidemment, comme toutes les autres vidéos. Parce que vous êtes là pour les mystères en grande partie. Voilà. Ça me gonfle. On va rien dire. Les tremplins, les machins comme ça, pour arriver à 100%, je le ferai pas dans le let's play. Parce que c'est un let's play, tout simplement. Je vais juste faire les missions. Voilà, jusqu'à la fin du jeu. On s'occupera de rien de plus, à moins que vous me suppliez de faire les inconnus et détraqués en fin de mission. Mais j'ai vraiment envie de me lancer dans un autre let's play. J'ai pas encore vraiment choisi ce qu'on ferait, mais j'ai 2-3 idées en tête, je les communiquerai. Je pense que j'aurai changé d'avis d'ici là, mais je vous les communiquerai en fin de let's play. Donc vous voyez, je l'ai fait, ça fait un paquet de temps que j'ai fait tout ça, je vais continuer une mission, et puis c'est tout, rien de très important. Alors, j'aurais peut-être dû faire la mission de pilotage la plus rapide, mais bon, de toute façon on a le temps, hein. Et puis on finit la manœuvre, ok. Allez, c'est parti pour cette petite mission. On en fera qu'une, mais pas besoin de... De toute façon, il devrait le faire en fonction du niveau qu'on a, et pas forcément nous appeler. Je sais que c'est dans le gameplay, mais il devra s'adapter justement, comme il y a plein de solutions, etc. Allez, on tente de décrocher l'or. Allez. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Allez. Okay, perform an inside loop. C'est reparti pour un deuxième looping. Essayez d'être bien droit. Voilà. Une dernière figure. Ah oui, ça c'est pénible. Ça c'est vraiment pénible. Deux demi-looping. Ensuite, faut revenir comme ça. Non. Ok. Ok. Il nous demande de le refaire. Génial. Demi-looping, ouais. Attends, non. J'ai rien compris là. Demi-looping. Oui. Ouais, c'est bon. Oh là là. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire. C'est pas très important. Puis on prend une petite. On va prendre une petite leçon rapide. Si c'est vraiment nécessaire. Une petite leçon rapide de décollage ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Comme ça sera fait. Je vois pas pourquoi d'ailleurs je me suis embêté à faire. Hein. À faire tout le truc. Allez, c'est parti. En plus, ça prend vachement moins de temps. Hold the throttle all the way down to pick up speed and pull back on the stick to take off.
Voilà, allez. Congratulations, pilot. You are now airborne. Bravo. Navigate through those checkpoints marked on your radar and we can move on to the next lesson. Allez. Est-ce qu'on va battre leur corps? Est-ce qu'on va battre leur corps? Toute attention! Toute attention! 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 Oui! Oui! On l'a battu de 1 dixième! Je crois qu'on est à 29,78 et puis j'étais à 30. Ou alors ça doit globaliser, mais de toute façon c'est pas très important. On va très vite quitter ça. On va quitter. Oui. Voilà, et puis j'espère que ça sera fait. Option sauvegarde automatique désactivée. Est-ce qu'il va nous rappeler? Normalement, on a juste à y faire un tour, hein, dans la logique des choses. Puis, regardez notre pilotage. On est quasiment à toutes les barres. Toutes les barres de rempli. Ouais. On va attendre 2-3 secondes qu'il nous rappelle. Non. Peut-être. Je suis assez perplexe, là. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce contact qui bug là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer sur Trevor et au pire sur Franklin, et puis on va voir vite fait ce qui se passe. Ça se tombe, il est juste à côté, encore dans sa maison. Enfin, dans sa maison. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Si on appelle Michael, non. Non. À mon avis, il faut vraiment attendre avec, avec Michael. On va vite fait faire un tour sur Franklin quand même. Et puis de toute façon, c'est pas très très important. Donc, voici. Allez, allez, allez. C'est vrai que ces temps de chargement sont un petit peu longs, c'est vraiment... C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Nigga, I'm on, nigga. Call the police and tell them to bring out the body bag. It ain't working, homie. Go home. Man, I'm gonna bust on these old bitch-ass niggas and sleep like a baby. CJ, est-ce que c'est toi? Non, pas du tout. Ah, j'ai une proposition à te faire. Retrouve-moi à Del Piero. Bah, ce qu'on va faire. Non. En attendant que Trevor se décide d'appeler Michael, on va faire la mission de Blaster. Ça sera simple. Et puis, ça sera fait. Donc voilà, c'était Pierrot, donc c'est là, oui, je ne voyais pas le L. Donc c'est parti pour cette petite route, oula. Bon allez, on passe par là. Pour éviter les droits sur la vidéo. Voilà. En principe, il n'y a pas de droits sur ces trucs-là. Donc je sais que j'avais laissé pendant 30 secondes une musique comme ça, et ça m'avait carrément supprimé le... la monétisation de la vidéo. C'est dommage parce que pour vous, bah vous ça ne coûte rien. Et puis pour moi, la monétisation de la vidéo, je l'investis seulement dans les dans ma chaîne YouTube. Parce que je considère que c'est vous qui me le faites gagner, donc je dois vous le rendre. Voilà. Je l'avais déjà dit dans un Delta Force Extreme, mais à l'époque vous étiez à peine 100 abonnés, donc il n'y a personne qui veut s'en souvenir. Hein. Puis la vidéo doit dater de 1 ou 2 ans quasiment. Donc c'est assez vieux comme vidéo. Je me souviens, j'avais fait avec... c'était la toute première campagne, j'avais fait dernière mission de la première campagne avec Alpha et Pedro. Donc c'est vrai que ça date un petit peu, les anciens abonnés s'en rappellent moins. Et ceux qui ont été un petit peu curieux aussi s'en rappellent moins. Voilà. Et puis ceux qui n'ont pas de mémoire s'en rappelleront pas, tout simplement. C'est pas très grave, je le dis, hein, de toute façon. J'espère que vous serez nombreux, parce que normalement cette vidéo sort fin août, début septembre. Donc normalement vous êtes à peu près tous rentrés de vacances. Donc j'espère que vous regardez ces vidéos. Parce que là il n'y a pas la moitié de des abonnés qui sont partis en vacances. Donc voilà. J'espère que vous serez un peu plus attentifs aux vidéos. Normalement il est sur un banc. Il est sur un banc. Il est juste là. Peut-être. Enfin juste avancer de 20 cm. Ok. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time.
I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapol. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Voilà. Donc, le principe de ces... Il est où la moto? Elle était juste derrière. Okay, elle est là. C'est TP la moto. Donc le principe de ces petits trucs, c'est de vous tuer un important, quelqu'un qui est important pour la société et machin comme ça. Et du coup, vous pouvez investir en bourse pour gagner beaucoup. Sauf que c'est pas du tout mon but dans cette play. Le but, c'est de finir l'aventure, etc. Donc voilà. Hein. On va pas forcément investir dans des gros trucs, des machins comme ça. Surtout qu'après je vais pas y retourner sur cette partie et j'y retourne jamais hors vidéo. À part si je vous dis que je veux augmenter les persos entre deux sessions. C'est tout. Donc voilà, on va le faire rapidement. Et j'investirai pas en bourse. Même si vous l'attendez. Je pense que c'est pas forcément utile, sachant la mission de fin. La mission finale. La mission finale, ça dépend. Mais sachant combien on gagne à la fin du jeu, sans spoiler, c'est vraiment exceptionnel, donc je vois pas trop le but de faire ça. Donc il fallait tourner. Ok, donc faut monter. Il me semble. Non, donc soit juste là et qu'on nous a fait tourner. C'était en dessous. Ok. Alors. Là, oui, c'était là. Il ne demande pas de monter. Il ne demande pas de monter, c'est bizarre. Je croyais. Non, on peut s'handicaper. T'as pas honte, frère. Non, mais les gardes sont arrivés pour escorter la cible. Elle devrait quitter l'hôtel sous peu. Et bon, on va l'attendre. Et on a oublié le fusil de précision. Planifiez rapidement votre attaque et trouvez un poste d'observation. Ok, assassiner la cible. Départ de l'hôtel. C'est le temps. Qu'on va mettre. On a deux balles. Bon. On a un lanceur pyrotechnique, c'est ce qu'il faut se dire. Est-ce qu'il y a un sniper en haut? Je me souviens, il y a peut-être des munitions, quelque chose comme ça planqué. Je ne me souviens plus du tout. De toute façon, on a le temps de monter, hein. Quitte à monter tout en haut à la limite, mais j'ai bien l'impression qu'il y a des munitions en haut, hein. Il me semble. Au pire, c'est pas très important. On est tout en haut. Alors, pas de munitions, rien. Rien de spécial. De toute façon, pour tuer une cible, une balle si on la rate, et puis de toute façon, on fera attention. Ok. Let's move it out, people. We need this area cleared. On va devoir descendre, hein, il me semble.
Parce que le rebord a l'air assez haut quand même. Départ de l'hôtel, ok. C'est qui? Alors c'est qui qu'on doit viser? C'est qui qu'on doit tuer? On va se déplacer un petit peu. Pour avoir l'entrée, comme ça c'est mieux. Alors. Assassiner la cible. Qui est juste là. C'est fait. C'est fait, c'est fait. On a un tireur à couvert. Ouh là là. C'est un violent psychopathe. Alors. On a combien de temps de vidéo? 20:59. Allez, on se fait plaisir. On sort de là. Ouais, prends une voiture. Hein. Écoute. Albanie. Voilà. Albanie. Pour ceux qui avaient joué à GTA 4, les Albanais. Alors, quitter la zone. Ils nous ont même pas repéré. C'est bien, c'est bien. Mission accomplie. Room service. Temps final 4:07. Tir de précision. Argent gagné 9000. Ça va, ça va. On va pas se plaindre. Au total, on a. C'est tout? 249 000? On appelle Lester et puis on va se quitter là. Ça a été vite cette petite mission. I know, good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Et ben voilà, on a la nouvelle maison de Franklin. Comme prévu, la belle et magnifique maison à Vinewood Heights. On ira la voir dans le prochain épisode. Et on va faire certainement encore une ou deux missions de Lester la prochaine fois. Ou alors on va rapidement aller voir ce qui s'est passé du côté de Michael. Je vais faire tout ça. Laissez un like, etc. Un commentaire. Ça aura un impact sur la vidéo dans une ou deux vidéos, je pense. Parce que je vais peut-être en refaire une ou deux. Enfin voilà. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait, etc. Vous pouvez retrouver les mystères tous les lundis normalement. Et on se dit à plus tout le monde pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde.